Europe 1, bonjour. Julien Pierce. 6h20 sur Europe 1, vous êtes peut-être au volant sur la route, une route qui tue toujours autant. 3477 personnes ont perdu la vie l'année dernière et 2017 pourrait bien voir ce bilan augmenter. Ce serait dès lors la quatrième année consécutive de hausse de la mortalité routière. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Comment est-ce que vous expliquez qu'on n'arrive pas à faire repartir le nombre de morts à la baisse? Je précise que selon les derniers chiffres qui datent de novembre, on est sur une hausse pour l'instant de 1,7%. Parce qu'on n'a jamais été bon. Je pense qu'il faut être clair, la France n'a jamais été un pays qui a été bon en sécurité routière, y compris quand on a voulu nous faire croire que l'apparition des radars réglait les problèmes. C'est pas vrai. La France restait à la traîne au niveau du classement européen. Imaginez, on est le 14e pays européen de la sécurité routière. Il n'y a pas de quoi quand même se glorifier. Pourquoi ? Parce qu'on se trompe, on va sur une politique focalisée sur le tout radar, tout répressif. On est le pays le plus répressif sur les petits excès de vitesse en France. Il n'y a pas pire que nous. On enlève les points à l'argent pour des tout petits excès de vitesse involontaires. Et puis la sécurité routière devient un combat qui n'est plus suivi. On n'a plus de soldats sur la route pour effectuer ce combat. C'est le seul combat où on devrait tous alliés et où ça ne marche pas parce que malheureusement, on a d'un côté des instances politiques qui s'opposent directement aux usagers. Ça ne peut pas marcher. La sécurité routière, ça se fait ensemble. Alors, on a appris hier qu'un terrible accident avait eu lieu sur l'A6. 3 morts, dont une fillette qui allait avoir 4 ans. Accident causé par un automobiliste de 69 ans qui circulait à contresens, qui arrive fréquemment, disent les sociétés d'autoroutes. 28 morts l'année dernière dans ce type d'accident. 22% des conducteurs impliqués étaient âgés de 75 ans ou plus. Pierre Chasseret, faut-il faire repasser le permis ou des examens à partir d'un certain âge ? Bon, alors, évidemment, je pourrais tomber dans la démagogie qui voudrait qu'on dise que, évidemment, il faut faire repasser le permis à tous les anciens. Sauf que les chiffres ne nous disent pas ça. Quand on regarde les statistiques, la population... Ah, quand même, 22% là. Ouais, sur ce type d'accident. Mmh. Sur ce type d'accident. Parce que sur les statistiques générales, les personnes âgées ne représentent pas un danger sur la route. Loin de là, parce qu'elles savent arrêter de prendre d'elles-mêmes les routes les plus dangereuses, selon elles. Par contre, on a un vrai problème. En effet, ce type d'accident est caractéristique de deux cibles. La première, c'est ceux qui sont fortement alcoolisés. Mmh. Et le deuxième point, c'est ceux qui sont très, très, très âgés. Attention, l'accident d'hier, le monsieur, il a 69 ans. Il n'en a pas plus de 75. Et puis, on ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident. Exactement. Voilà. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ça se trouve, les analyses toxicologiques n'ont pas encore été révélées. Ouais. Mais en tout cas, ça pose la question. On a tous les ans, immuablement, invariablement, une petite trentaine de tués sur ce type d'accident. On a la même chose sur les accidents ferroviaires. 30 alors, et 30, ça fait 60. Quand on additionne, il faut quand même se poser des questions. Il y a quand même des choses à faire. Qu'est-ce que vous préconisez, justement, alors? On avait poussé pour un système de herse anti-retour qui existe, un système qui permet de percer les pneus du véhicule qui s'engage sur l'autoroute à contresens. Alors, ok, ça va coûter 2 Michelin, mais derrière, au moins, il n'y a pas de mort. Et il faudrait peut-être imaginer en test, on sait en France faire des expérimentations, quand il s'agit de mettre le 80 km/h, la privatisation des radars, on sait trouver des idées là-dessus d'expérimentation. Mais quand il s'agit d'expérimenter quelque chose qui sauve directement des vies, ah ben là, il n'y a plus personne. Alors justement, vous venez d'en parler, il y a 2 semaines maintenant, le gouvernement a relancé l'idée d'abaisser la vitesse sur les routes secondaires de 90 à 80 km/h. Le Premier ministre Édouard Philippe a assuré qu'une décision à ce sujet serait prise le mois prochain et qu'à titre personnel, il est favorable à cette mesure. Pourquoi vous ne l'êtes pas ? Je ne le suis pas parce que je suis très pragmatique. Vous savez, parler bien français comme le parle Édouard Philippe, c'est très bien. Et puis parler pragmatique et la vie des gens, c'est autre chose. Je suis allé au Danemark, le pays qui est en train de relever ses limitations de vitesse de 80 à 90 pour s'uniformiser avec les pays européens. Ça marche. Il y a moins d'accidents, parce qu'il y a moins de manœuvres dangereuses et moins de dépassements. Et puis on est allé tourner avec l'association 40 millions d'automobilistes un reportage à Vesoul, là où on a l'expérimentation à 80 km/h en France. Et vous savez, je l'ai fait très simple, j'ai pris mon micro, j'ai cogné à la porte des riverains de cette route à 80. Les riverains, ceux qui devraient être contents, ils habitent en face. Ben non, ils trouvent que ça sert strictement à rien aussi. Et pire, on m'a appris que 15 jours avant mon arrivée, il y avait encore un accident juste en face de la maison, dans cette zone à 80. Alors j'ai entendu les propos du délégué interministériel à la sécurité routière qui nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Ça pourrait sauver 300 vies par an. Oui, bon, alors ça c'est du pipeau. Hein. Ça c'est des formules mathématiques appliquées à des comportements. Ça ne fonctionne pas. C'est juste une estimation. Il suffira de voir l'année prochaine pour en être persuadé. Vous avez les conclusions du rapport de l'expérimentation ? C'est ce que j'allais vous dire. En fait, le délégué interministériel à la sécurité routière nous dit les résultats sont très bons,
mais ils sont tellement bons que je ne vais pas vous les donner. Alors vous savez, moi j'ai des enfants. Et mon fils, quand il a eu un bon bulletin trimestriel, il est fier de me le montrer. Moi, j'ai jamais vu un enfant qui disait « Mon bulletin est trimestriel, papa, il est très bon, mais je te le montrerai pas. » Ça n'existe pas, ça ne peut exister qu'en sécurité routière. Et de son aveu même, il dit « Mais bon, je le montrerai pas parce que les résultats sont pas probants, l'expérimentation, c'était qu'une centaine de kilomètres en France. » On est bien d'accord. Donc s'ils sont pas probants, les résultats, eh bien pourquoi on va lancer une baisse généralisée de la vitesse qui va irriter tout le monde pour faire plaisir à trois personnes en France? Ça vaut quand même pas le coup. Le but, c'est de sauver des vies, pas de prendre des mesures qui servent à rien. Alors justement, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on n'ait plus 3000 personnes chaque année qui perdent la vie sur nos routes? Est-ce que c'est l'état des routes qui est en cause? J'ai vu un chiffre, plus de 40% en cause dans les accidents. Oui, permettez-moi de ressortir cette étude qui date de 1995. On me l'a souvent reproché. Mais l'étude pour sauver des vies en baissant la vitesse, elle date de 1981, donc je pense qu'on me pardonnera ce chiffre de 95. 47% des accidents impliquent un mauvais état de la chaussée. C'est vrai que quand on est deux roues, par exemple, quand on est motard, un heat pull, ça veut dire un écart, ça veut dire une surveillance totale de ce qui se passe sur la route. Eh bien, cet écart peut être fatal, malheureusement. Donc, il y a l'état des routes, mais il n'y a pas que ça. Il faut inverser le paradigme. Il ne faut pas se dire « la France a besoin de mesures ». Vous avez vu le code de la route ? Mais franchement, il est bien ! Il y a assez de règles. Bientôt, il va falloir une brouette pour transporter le code de la route, tellement on rajoute de la réglementation. On a pris plus de 80 mesures ces dernières années, ces 2-3 dernières années. Qui est capable d'en citer 10 ? Même pas moi, et c'est mon boulot. Donc arrêtons un petit peu. Faisons en sorte qu'on puisse faire respecter les règles actuelles, ça ira très bien. Et pour le reste, il faut réconcilier les Français avec la sécurité routière. Autre sujet, très rapidement, Pierre Chasseret, il y a une réforme qui a été annoncée, une autre, mais cette fois qui rentre en vigueur dès le 1er janvier, c'est la réforme du stationnement. Fini l'amende à 17 euros, désormais chaque mairie pourra fixer son propre tarif, jusqu'à 50 euros par exemple à Paris. L'objectif annoncé, c'est de fluidifier la circulation. J'imagine que vous, ça vous fait hurler. Oui, complètement, surtout qu'on a un contre-exemple. On a la ville de Calais qui a prouvé qu'on pouvait passer l'intégralité de sa ville en gratuit, 95% des places sont gratuites à Calais, il n'y a que 5% en ultra cœur de ville qui sont payantes, et encore je crois qu'il y a un quart d'heure ou une demi-heure gratuite. Eh bien ça fonctionne, donc je crois que pour tous les automobilistes qui nous écoutent, entre privatisation des radars, baisse des limitations de vitesse, augmentation des carburants, on n'en a pas parlé, mais il y a 4 centimes de plus sur l'essence, 8 centimes de plus sur le diesel, plus la dépénalisation du forfait de stationnement, je vais vous dire, bonne année les automobilistes, on a du boulot. Merci Pierre Chasseret d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Europe 1.